Habitué de la taverne, bien le bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création steampunk. Ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps. Nous allons faire ce magnifique distributeur de sachets de thé steampunk. Alors l'idée de base ne vient pas de moi, il vient de Maison Mathilde. Quelqu'un qui me suit sur Instagram et qui fait des créations steampunk relativement sympas, vraiment, moi je les trouve vraiment belles. Je vous invite à aller sur sa page Facebook et sa page Instagram, Maison Mathilde tout simplement. Et voilà, donc j'y ai totalement piqué l'idée, sauf que je l'ai fait à la sauce taverne. Voilà. Donc je trouve le rendu assez sympathique, j'ai fait vraiment très simple, vous allez voir. Vous n'allez pas avoir besoin d'un matériel de fou pour cette boîte. Bonne vidéo à tous. Et à tout à l'heure! J'ai eu un moment de bug là, t'as vu ou pas? Thank you.
Et voilà, messieurs, dames, notre boîte distributeur à thé steampunk est à présent terminée. Donc, encore une fois, j'ai utilisé le même matériel que d'habitude. Tous les liens des matériaux utilisés sont dans la description. Donc, le crâne, c'est tout simplement une décoration d'Halloween. Les engrenages, c'est acheté en gros en sachet sur Wish. Les écrous, important les écrous, il y en a tout le temps. Dans toutes les constructions steampunk que je fais, je mets des écrous tout simplement parce que c'est vraiment très raccord avec l'univers steampunk et c'est pas cher. Des écrous, tu peux avoir 5 euros le sachet énorme quoi. Donc, même 3 ou 1 euro, tu vas à Bricot, voilà quoi. Une paille repeinte, ça c'est pareil, c'est des petites breloques achetées en gros sur Wish, c'est pas cher non plus, le reste c'est fait en carton et feuilles de mousse, petit bâtonnet de bois, la peinture, bâtonnet de colle, de pistolet à colle de différentes couleurs, et voilà, le tour est joué quoi, t'as ton petit distributeur de sachet de thé, c'est tranquille, et je trouve que c'est relativement sympathique, facile à faire, ça peut être un cadeau original pour Noël, hein, parce que je vous rappelle que bah, je suis à mon compte maintenant, donc si vous voulez acheter, n'hésitez pas, et si vous voulez reproduire aussi pour offrir tout simplement à quelqu'un qui est fan de steampunk ou qui est fan de thé, c'est pas mal, imagine, t'arrives à Noël, le mec il ouvre ton cadeau, pim, c'est toi qui l'as fait, c'est quand même carrément de la gueule, ou ça fait rad, hein, ça dépend, mais bon. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Alors bien évidemment, si vous aimez la perfection, n'oubliez pas d'enlever tous les petits filaments de colle. Moi, en règle générale, j'ai tendance à les laisser parce que je trouve que ça donne un petit côté vieilli, un petit côté toile d'araignée que j'aime bien. J'aurais pu aussi repasser au noir sur les traits de fissure que j'ai fait, je vais peut-être le faire d'ailleurs. Vous pouvez aussi bien évidemment peindre les dessous des cartons. Mais voilà, moi j'aime bien laisser des petits détails un petit peu qui rappellent que c'est de l'artisanat. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est relativement pas compliqué à faire, ça m'a pris 3 heures, voilà, j'aime bien, puis bon bah là j'ai mis du thé dedans, mais bien évidemment vous pouvez faire ça pour n'importe quel autre truc, hein. Ça dépend, hein. C'est à vous de faire la fente qu'il faut en bas, et puis la taille qu'il vous faut, etc. J'ai pas mis les mesures, tout simplement parce que c'est pas obligatoire de suivre mes mesures, vous pouvez bien évidemment tous faire la taille que vous voulez, donc ça m'a pas paru... important de les donner. Voilà, j'ai pas fait derrière, alors ça c'est tout simplement pour des raisons économiques. Si j'en mets pas derrière, c'est pour économiser le matériel, tout simplement. Parce que je pars du principe que c'est quelque chose qui va être vu de face, donc voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a eu pas trop de sorties ces derniers temps parce que j'ai été très occupé sur d'autres trucs de la vie. Voilà, vous avez qu'à me suivre sur le journal de la taverne sur Facebook, vous avez tout ce qui se passe dans ma vie, vous le savez, et en plus je fais des coups de gueule magnifiques dessus, voilà, c'est génial. Si toi aussi t'es comme moi et que t'en peux plus de ce gouvernement de PNQ, bah, je t'invite à aller sur la page Facebook, tu vas te fendre, alors, je sais pas quoi, mais tu vas te fendre, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, on est toujours sur la course des 10 000. Bon, alors ce qui me fait rire ou pleurer, ça dépend, c'est que l'année dernière, à la même période, je disais « Allez, on est bientôt aux 10 000 avant Noël !» Et il y a un an entier de passé et j'ai toujours pas atteint les 10 000. Ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Bah, je vais les déprimer maintenant. Allez, bisous !